D'abord, qui a besoin de potions d'amnésie? Non, moi je cours comme il faut. Alors, c'était pour quoi déjà qu'il fallait? C'était 3 et 8, c'est ça? De la vie. Moi, impec, je bouge pas. Alors, il faut au minimum 400 poids, c'est ça? 400 poids et après le reste, vous mettez où vous voulez. Mais il vous faut minimum 400 de vie. J'ai 310 de poids. 400 de vie et 400 poids? Il fallait la vitesse, non? Il fallait que ça soit le... J'ai... Non, pas de vitesse. J'ai 200 points de vie. Oui, c'est 100% de vitesse. J'ai besoin d'une potion d'amnésie, alors. Je jette les potions. J'ai 200 points de vie, mais j'ai 150 en vitesse, par contre. Non, il faut pas de vitesse. Il faut pas de vitesse, Ouais, mais... Cliquez pas tous sur le même, hein. Voilà. Bah, j'ai pris le dernier, moi, comme ça, j'étais moi, sûr. Je vais attendre. on va attendre un peu. Mais moi je l'ai pas cet émote là, comment ça se fait? C'est magique. C'était un de l'event. C'est un de l'event, ouais. J'ai oublié de la prendre. Ah, des nails, je suis pas me servir moi de ça. Ouais. J'ai pas appris ce que j'étais en train de prendre. C'est par contre le sac avec des ailes. Oui, il y a des ailes. Oui. Ouais. Elles vont pas péter. Donc il faut faire quoi? J'ai écrit dans un dossier, ça m'a donné. J'ai pas encore dit ce que vous devez faire. Ah bah. Je t'ai juste dit de prendre un sac de couchage et puis un stuff dans l'armoire. J'ai mis du désordre. Les sacs de couchage, parce que j'ai cliqué sur un autre endroit. Je vous dirai où vous devez les poser. Ok. En stuff, c'est seulement le torse qu'il faut ou C'est l'armure avec un piolet d'escalade et puis les ailes. Okay. Oh, j'ai jamais utilisé les piolets. Léo, ça va les piolets. Ness, ça maîtrise les pieds. Ah ouais, je m'en suis bouffé des œufs de Drake sur Aberration. Je suis bon. Voilà. Sinon, vous montez dans le même griffon, c'est pas grave. Oui, au pire. Je suis cuit. On suit qui? Donc, bah, le piou au cul orange. C'est qui est cuit? Le piou-piou cuit. Le griffon au cul orange. Ah. Le griffon au cul orange, là. Alors, donc. Ok, on suit le griffon au cul orange. Les barrières et puis vous sautez, vous devez passer là-dedans. Je dois enlever la barrière encore et le beacon du coup. Mais il va mourir si on... Non, vous passez dedans et vous venez ici. Passe dedans et... On est ici. Et qui m'a fait me poser sur lui ici. Et vous quand passez à sauter... droite toute et puis il y a là où vous devez vous écraser. Alors, on rentre dans le premier avec le beacon. Oui, on va du beacon jusqu'à ici. Ça va être quelque chose. Ah, mais on va tous mourir. Mais vous devez sauter depuis le départ. D'accord, vous sautez depuis le départ avec vos ailes, bien sûr, sinon vous vous écrasez par terre. Non, mais il y en a qui n'ont pas utilisé. Vous devez passer dans le trou et puis venir ici. Quoi. D'accord, faut se poser dans le trou. Donc, si vous n'arrivez pas à passer dans l'arche, vous pouvez vous écraser sur l'arche et puis après sauter avec les ailes de l'autre côté. D'accord. Si vous atterrissez pas dans le cube, il faut remonter jusqu'au cube pour redescendre. Ah oui, okay. Là au-dessus. Ça va être amusant. Il faut aller dans le cube. Dans le cube. Le cube, normalement, c'est l'endroit d'atterrissage. Seulement d'accord, que si vous arrivez pas à atterrir là, vous remontez jusqu'au cube et après vous redescendez. Remonte jusqu'au cube. Quel cube? C'est cube. Passé, là, c'est un cube apparemment. Par tous les arcs. C'est un rectangle cube. Ouais, rectangle. Il y en a que deux d'arches, Mister. Il y en a qu'une d'arche. Il y en a qu'une d'arche. Celle où il y a le beacon, vous devez passer dedans. Et puis après, vous devez tourner à droite et puis venir ici. Tu plonges, tu passes dedans, tu tournes et puis tu. Et, tu... et puis après, tu d'accord. Fais ensuite. Jusque là, ça va. Puis tu fais... Vous descendez jusqu'ici. Pardon. Il y a des torches, c'est juste que là, le jour, on les voit pas. D'accord, c'est à pied. Et puis, il y a les tyroliennes. Okay. Vous prenez les tyroliennes. Vous traversez. Bah, on a pour pas les prendre, il faut juste faire eux. Si, oui. Pour descendre, ça fonctionne. Pour descendre, tu peux les prendre. Ah d'accord, je savais pas, j'ai jamais. Oh, mais il y a assez de tyroliennes pour tout le monde. Non, je pense qu'on n'arrivera pas tous en même temps. Vous prenez la tyrolienne, vous prenez la deuxième tyrolienne ici, jusqu'à l'arbre où j'ai cassé, là. Okay. Et ici, vous remontez avec les piolets. Oui. Okay. Jusqu'en haut. Avec deuxième arbre qui est cassé. Il faut que j'enlève le bouclier, mais ça, voilà. Et de là, on prend un coffre de couleur. Vous prenez un coffre, peu importe lequel. Ils sont déverrouillés, normalement, vous pouvez accéder. Faut qu'on enregistre la couleur ? Non, c'est juste pour différencier. C'est au cas où. Donc, vous prenez ce qu'il y a dans un coffre. Dans un coffre, vous aurez un petit papier et une bouteille de plongée. Dans le papier, il y aura la suite pour après.
La bouteille d'eau plongée, d'accord, ça sera pour aller sous l'eau. Depuis ici, vous plongez et vous traversez jusqu'ici. Qui est là-bas? J'ai l'impression qu'il y a un qui va se planter. Ah, oh, vous, oui, traversez jusqu'ici. Question, okay, il y en a qui n'ont jamais utilisé les ailes. Moi, ah, oui. C'est le truc que je pense, ça, là. Ici, vous devez, ouais, sauter sur les plateformes, oh, de saut. Ah non, ah, c'est, yeah, les plateformes, c'est ça, vous envoie ici. L'autre, mmh, plateforme de saut vous envoie ici. Et le branto vous envoie peu importe où. C'est pour amortir. C'est-à-dire qu'en dépendant de la plateforme de saut que vous prenez, vous pouvez vous prendre beaucoup de dégâts, très peu de dégâts, ou vous faire éjecter. Ah, sympa. ok. D'accord. Tu attends que d'autres passent et tu regardes les cartes. Donc, vous devez poser vos sacs de couchage ici, à côté du branto. D'accord. Ici, là, okay. Oui. Tout de suite. Si on verra, oui, avant comment ça se passe. Et si vous voulez, vous pouvez même le poser ici en bas, il y a une échelle pour remonter. Yuki. Bah moi, j'ai pas eu besoin de remonter. Ouais, excusez-moi. Ok. Non, après, ça dépend des points de stable que t'as mis aussi. Devant le bronto, il y a un chemin de torche qu'on voit pas forcément. Et puis, il faut, si, descendre ici, là où okay, je suis là. Vous aurez des plateformes sur le côté de la montagne. Il faut les descendre. D'accord? En sautant. Une sur l'autre, jusqu'en bas. Ok. D'accord. Quand vous arrivez à la croix en bas, le but c'est de sauter de pilier en pilier. Oh là là. Jusqu'au bout. Ça m'a dit chaud. Vous venez ici. Mais on peut pas sauter là-dessus. Mais comment on, d'accord, fait? D'accord. Vous suivez les pas intérêt pilier, à laguer, sinon tu... Et puis, vous allez jusqu'au bout, il y a la deuxième bouboule là qui... Voilà. Il y aura un chemin de torche qu'on voit pas forcément, maintenant il fait jour. Vous suivez le chemin de torche. Bon, on n'est pas prêt d'arriver à ton truc. Hein. Moi je l'ai fait en 10 minutes. Hein. Ouais, jusqu'à, mais moi j'avais dit pareil, j'avais dit, voilà, j'allais faire en 10 minutes. Alors, dans la cabane. Tu as dû soigner ton truc, Pélian, parce que si tu dois l'utiliser quand tu tombes. Dans la cabane, il y a ce que vous devez prendre. Il y a dans le petit papier que vous avez pris dans le coffre. C'est-à-dire que dans le coffre, vous aurez un nom. Un nom de dino. D'accord. Qui c'est qui rentre là que je le tue? Viens là, toi. Viens. J'ai pas fait exprès, madame. Vous, ouais, avez dit, ouais, ou ouais, pas? J'ai trop de vie de toute manière. J'ai pas l'avis de rentrer. Donc, j'ai dit dans la cabane. Sur votre papier, il y aura un nom. Okay. Vous rentrez là-dedans, vous cherchez le nom qu'il y a sur ce papier. Vous claim le dino. Vous reprenez le dino. D'accord, c'est des poneys, mm-hmm, comme on dit, mm-hmm, tout de suite. Et puis, vous venez ici. Vous suivez le chemin de torche. Voilà, le chemin de torche. Je vous enlève les boucliers, comme ça vous voyez. Hop. Donc, ici, vous avez un saut d'obstacle. Oh, moi. Oui, on va jouer à Alexandra Lederman. C'est numéroté, d'accord, mm-hmm. Donc, il faut les faire dans le bon ordre. C'est-à-dire que vous rentrez, vous faites le numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est qui est en train de faire le parcours que je tue? C'est Ganon. Non, je et regarde même où ça commence. C'est tout. Donc, vous suivez les panneaux, vous faites le tour, vous passez dessous. Vous arrivez ici, et puis ici, il faut faire deux tours autour d'un bonhomme, deux tours autour de l'autre bonhomme, et puis, mm-hmm, deux tours autour du troisième bonhomme qui est ici. Okay. Les bonhommes, les mannequins de... Il faut faire deux là, tours autour des mannequins. Des tours en courant ou des tours en volant? On marche avec ton poney. Alors, avec le poney, tant que vous êtes ici, vous n'avez pas le droit de voler. Ok. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, vous n'aurez pas le droit de voler avec le poney. Ok. Seulement sauter. D'accord. Si vous volez, il faut tout de suite atterrir et puis vous remettre à courir. C'est un poney volant, tu peux pas voler. Ah, il faut déverrouiller la porte, on peut pas rentrer. Oui, il faut que je déverrouille la porte. Donc, vous rentrez, vous faites le parcours. Le dernier numéro du parcours, c'est celui qui est ici, là. Devant moi, là, ouais, celui-là. Après, vous faites deux tours autour de ce bonhomme, en courant ou en marchant, comme vous voulez. Deux tours autour de celui-là, mm-hmm, et puis deux tours autour de celui qui est ici. Ok. Une fois que vous avez fini ça, vous pouvez sortir et suivre le chemin de torche. C'est à la fin, toujours pas fini. Donc, qu'on passe autour, non, des bonhommes, pas fini. Mais il y a une fin. Poney. Oui, j'ai juste pas compris pour les bonhommes, c'est à la fin que tu fais deux tours. Ouais, ouais, ouais. Oui. Alors, tu fais d'abord le parcours et après, tu tournes autour des bonhommes. Merci. Donc, tu suis le chemin de torche. Mais tais-toi, toi. Tu fais, oh, tu suis le chemin de torche. Suivez le chemin de torche. Et vous venez ici, sous l'eau.
Attends, je dois enlever le bouclier encore une fois. Ici, sous l'eau, il y a des coffres. D'accord. Aye. Les coffres sont verrouillés. Oh. Sur le papier que vous avez pris au début, il y a un code. Ok. J'ai pas de marche. Chaque nom de poney, chaque coffre a un nom de poney. Ça sera celui que vous avez pris avant. Ça sera le même nom que votre poney. Donc, vous aurez le code sur votre papier et le code vous servira à déverrouiller. Donc, il faudra que vous trouviez votre coffre, que vous ouvriez le coffre, vous preniez ce qui est dedans. Et puis, après, bah... Il y a un mégalodon dans l'eau. Il y a un mégalodon dans l'eau. Non, mais il y a un bouclier, c'est pas grave. Oui. Non, mais mon truc, il veut pas me suivre. Il veut pas me suivre. Et puis après, c'est fini. Et puis après, c'est presque fini. Après, il faut que vous sortiez de l'eau et qu'ils vous remontiez jusqu'en haut du pic. On peut pousser les gens ? Non. Non. Non, on a déjà essayé. Fais gaffe. Je testais. Mais t'aurais dû prendre le fouet, t'aurais dû garder le fouet. Mais ouais, mais moi, on m'a dit qu'il fallait venir sans rien. Ça y est. Enfin, j'ai pas le dire. Ouais, c'est bon. Ouais, alors, je sors mon calepin. Il y a Red, Red, elle est déjà épuisée, on est même pas encore parti. C'est ça. J'ai pris un volant. Hop, t'as un volant, d'accord. Bon alors, okay. Ganos, interdiction de rager. Vous êtes prêts? Je rage que dans les trucs avec des oui. Trous. Oui, interdiction de rager. Ouais. Okay. Normal, parce que la première étape, c'est de passer à travers le bleu. Tout à fait. Donc, 3. Elle est pika pika, tu gagnes. 2. 1. Je m'attaque. Partez. Je me suis chié, voilà, j'ai pas été assez vite. Ah, j'ai failli pousser. Il y en a qui sont passés, ils sont passés derrière. Mais du coup, si on passe pas dedans, il faut remonter, c'est ça? C'est pas grave si vous passez à côté. Ah merde, non. Je vais y arriver. Moi aussi, je fais des tours et des tours pour passer dedans. Là, c'est pas en route déjà. Après, si vous êtes assez haut, c'est bon, mais si vous êtes pas assez haut, ça sert à rien de... C'est mal barré. Ah oui, il faut j'ai atterri derrière le cube. Merde, pourquoi j'ai lâché mes ailes? C'est bon. Oh, je suis passé à travers le cube. Ah, mais on passe à travers le sol. Je suis passé à travers le mur du cube. Tu es dedans. C'est pas tout à fait normal, ça. Mais du coup, on fait comment? En bas du cube. Dedans avec les ailes. Alors, le cube. En bas du dessous. Ouais, je suis dessous, j'ai pas réussi à m'attacher. On est bien d'accord que le cube, il faut rentrer avec les ailes dedans. Oui, et après, tu rentres. Mais continue. Du coup, si on n'a pas réussi, on fait comment? On doit retourner. Bah, si t'es arrivé jusqu'en haut, c'est bon. Ah, ok. Moi, j'ai traversé le mur, mais du coup. Bah, tu sors ton volant. Tu sors ton volant et tu reviens. Ouais, non, je vais refaire parce que je le suis. Arrive, je lag. Mais non, je suis arrivée sur la colline et j'ai fini à pied, ça va pas. Mais justement, si vous arrivez en bas, il faut monter jusqu'au cube et après, vous pouvez redescendre. Ok, bon, bah, ça va. C'est tout bon. Non, c'est pas si compliqué, les grappins, en fait. Les... truc pour monter. Et on redescend où déjà? Avec là où il y a les torches, il y a les trucs pour le... Ah, il fait nuit à nouveau, c'est pour les torches. C'est mignon comme nom. Alors c'était quoi la suite déjà de ça? On peut descendre la montagne. Ah là, ok. Où ça? Voilà. Dans la montagne. Après les coffres, faut aller tout droit, c'est ça? Faut aller là-bas, oui. En direction du loot bleu, tout droit vers les montagnes. Les petites montagnes là-bas. Je suis pas sûre de moi là. Ah oui, c'est vrai que c'est les zips. C'est les zips. T'es où là après? Vous voyez bah, je sais pas. On n'est pas sûrs là tous les trois. N'oubliez pas de mettre les gamins. Il faut prendre le gamin. Ah, la tyrolienne. J'ai loupé le coche. C'est les tyroliennes maintenant. Comment on fait déjà pour mettre. Faut faire E dessus. Juste E. En regardant le fil. Ah, mais faut remettre les ailes sur le... Non, pas besoin non. D'enlever les ailes ou de les remettre. Je suis tombée. Okay. Et donc, c'est après, il peut prendre là. Madame. Je suis tombée. Remonte. Oui, mais après, pour redescendre, j'ai oublié, moi. Redescendre où? Bah, une fois que t'as pris le coffre. Ouais, bon, tu fais avec les ailes. Moi, je me suis loupée, j'ai dû remonter avec les crochets. Ailes. Ah, oh, bon, j'aime ça. Tu vas tout droit vers le beacon bleu. D'accord, attends. Et tu traverses, il y a les torches normalement qui t'illuminent. Continue tout droit. Il y a quelque chose dans celui-là. On va profiter du beacon pour une fois. Allez, continue les torches. Tu continues tout droit vers les montagnes. Oh oui, il a failli me tuer le bronto en effet. Là-bas. Les piolets ils sont cassés. Vers quelle montagne? Bah, ah oui, là-bas je te vois.
faut aller là-bas, c'est ça? Non, moi je me suis perdu. Non, mais. Je suis à la traîne. Je pouvais pas prendre l'échelle, par contre, j'ai dû sauter. On voit pas où il faut sauter quand on est au coffre. Ouais, bah oui, j'ai sauté vers le beacon bleu, mais. Vers la tour bleue, non? Comment on fait pour monter là? Vers le beacon bleu. Et après. Red, tes échelles, on peut pas y descendre. Il faut pas descendre. L'échelle. Mais faut pas aller sur les. Une fois qu'on sur a pris poteaux. Le coffre, on fait... bon bah je suis. Il faut d'abord descendre la montagne en bas. Si, là-bas, c'est le d'accord, mais on n'avait pas compris en fait. On essayait de. Apex de l'édition 150. Je sais pas où je vais là, à mon avis, c'est pas bon. Ah attends, comment on fait pour descendre avec la tyrolienne? Tu veux, moi ça me décroche, ça m'a décroché la tyrolienne. Ouais, tu refais dessus. Red, je suis dans ce jeu là. Il est où le deux? Je suis perdu. Je suis tombé tout en bas. La plateforme à partir de laquelle il y a les coffres, faut descendre directement en bas. Allez. Val, il est où le cochon? Ouais, en fait, quand on est au là coffre, où je suis mort, mais quoi du coup, j'ai respawn au sac. Et il était quand tu traverses au niveau du beacon bleu, quand tu vas vers le beacon vert. J'étais pas parti. Ah, mais c'est pas grave. Il y a un Yuki qui me gueule dessus ici au piqué. Mais par contre, du coup, je capte pas. Faudrait que je retourne là-bas. Alors, qui s'est perdu là? Moi, je suis au en fait, quand on était au coffre, on fait quoi une fois qu'on a le coffre? J'ai sauté, mais. Ah non, mais c'est pas vrai, je suis retourné où? Ah, si je vois des torches, je vois des torches. Voilà, si tu vois les torches, c'est dans la montagne. Si t'as vu la montagne. C'est tout droit. Si on est tombé et qu'on n'a pas réussi à prendre la tyrolienne, qu'on est tombé tout en bas, tu peux prendre ton griffe, ton volant et puis remonter. Les ailes qui vont finir par tout en haut. Ouais. Non. Bah, la tyrolienne. Tu peux aller jusqu'au coffre, c'est bon. Moi, j'arrive pas. Quand on tombe dans la pilier, faut remonter tout au début, c'est ça? Ah oui, le tyrolienne. Alors, ceux qui sont au saut sur les piliers, si vous tombez par terre, il faut recommencer. D'accord. Je sais pas ce qu'on avait compris. Oui. Comment tu fais du coup si tu es mort et là j'ai respawn? Merde! Mais t'es où? T'es au Bronto? Les torches! Ouais. Ah, j'allais prendre de l'élan là! T'es trop monde qui pense. Bah, il faut descendre sur les côtés là, les plateformes. Ouais. Bon, le Bronto, tu me tues pas. Et il faut récupérer du coup l'armure et tout ça. T'es mort par où? Il y a le beacon bleu, mais du coup il a disparu. Oh, ça c'est un chou. Je suis presque mort, mais c'est quand même un petit manteau. Bah, t'as froid en fait, je pense. Hein? T'as froid? Ou ça va? Non, il a joué juste le flocon là. Défendre par là où il y a les torches, Plasco. J'avais dit qu'on devait les garder, les ailes. Ouais, mais c'est pour les ailes et tout ça, non? Ah, pardon. Mais il n'y a pas besoin, il n'y a plus besoin des ailes. Je vais déséquiper parce que. Ah, il nous faudrait juste la bouteille de plongée en fait. Parce qu'en fait, et puis c'est surtout tu les torches qui est en train. Ouais, attends. Je suis au coffre, c'est normal. Oui. Voilà, et on va au début. Oh, mais j'ai rattrapé les gens. Là. Bon, t'inquiète pas, il y a les piliers. Alors, oui, enfin. Ouais, alors ça, par contre, moi demain, je suis encore. Hein. Là, à gauche, juste à gauche, en bas. Ici ouais, là, tout droit, ouais. Et il est entre les deux petits bouts d'herbe. Oh putain, il est loin celui-là. Descendre où? C'est pour ça qu'on est sur le côté. Là, mais les piliers, c'est pas possible. Faut prendre là où il est passé Yuki. Je pense pas qu'il. Je pense qu'il faut que t'es dans le. C'est bon? Oh, je suis pas tombé. Ouais, c'est bon. Donc, au cas où il est lâché. Red, il y en a une derrière. Allez, avance. Ah, il est loin. C'est où? C'est bon. Elle est là. Il y a un Yuki au pilier, Red. Il y a Yuki au pilier, oui. Il y a un Yuki. Ah, Yuki. Je suis là aussi, mais Yuki, elle nous attaque au pilier. Yuki écrit. Il est dans les rochers, là. Il fait le gogol. Faut aller où? Je me rappelle pas. Je le vois pas. Il est dans les rochers, là. Ouais. Comme quoi, si on a fait le coffre, on fait quoi? Je me rappelle pas. Tu dois sauter. Ouais, mais pour aller sauter par où? Ouais, mais c'est ça. Attends, mais les piliers, mais on n'arrive même pas à faire les 10 premiers, comme on peut en faire 50. Vous êtes là-haut? Alors, je vois croisement, j'ai volé, mais je vois pas. Tout droit. À l'île au pétrole. Ah oui, non, sur l'île en face, ok. C'est l'île au pétrole.
Ouais, c'est bon, je finis. Alors, faut chemin et torche maintenant. Merci. Du coup, le chemin, je me rappelle pas. Laisse-moi ta place. Madame Binette. Comment que ça glisse? C'est bon, chacun une jambe. C'est bon, ça, tiens. Ah non, bon ben là. Mais pas besoin de recommencer. Vous pouvez commencer depuis le pilier où vous êtes tombé. Oui, mais non. J'arrive au cheval, moi aussi. Dini, je t'ai vu voler là. Elle a pas dit qu'on avait pas le droit. Ah, on peut voler d'un pilier à l'autre. Ok, bye bye. Raté. Ah, coucou ma belle. Non mais Gano, ça a triché. Bah Yuki, elle est là aussi. Non, trop tard, hein. Yuki est en première place. Dis-moi que j'étais presque à la fin. Tu dis que t'es tombé. Mais oui. Ah putain. Vous remontez sur le pilier où vous êtes tombé. J'arrive à remonter sur le pilier. Bah si tu arrives pas sur celui-là, il faut faire celui-là. Alors il faut sauter, c'est ça. Allez. Oh mais ça t'aide d'elle. 9. Oh, j'enlève les ailes. Ah, c'est William. Voilà. Il y en a qui courent, il y en a qui courent. Ah. Non. Attendez, fallait est-ce aller dans l'eau à un moment donné? Oui. Apprenez. Ah, bah, après le poney. Fait, moi, ça. Ah, après le poney, après, on va dans après l'eau. Après les poneys. Ah, je suis pas encore. Alors, après le saut d'obstacle, c'était quoi avec les bonhommes, là? Il faut faire 2 tours autour de chaque bonhomme. Et il y a 3 bonhommes. Pas vrai, tu mens. Fini. Ah, ouais, j'ai passé les deux en même temps. Ouais, en fait, t'as pas eu de chance, Yuki. Le premier coffre que j'ai croisé, c'était le mien. Ouais, moi, je suis partie à gauche alors qu'il était à droite, le mien. Non, mais c'est normal, c'était le coffre science. C'est là, là, c'est la 9. Non, tu t'es trompé. Bah, si, mais ah bon, j'étais arrivé à gauche, j'ai pris le sion. Ah non, c'est le sion. Non, on a passé le 6. Et mon poney avec les papas de sion. C'est à gauche, il lâche. Ah oui, il est pas de vert. Ah ouais, là. Ouais, mais c'est pas ça. C'est la couleur de mon coffre. Bah, je peux pas faire plus gros, hein. C'est dommage, ça, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que t'as eu, toi? Non, putain. Pardon, Lilou. Primal frag métal. Il y en a un qui a oublié de faire le tour. Faut monter, alors. Ouais. Non. Tiens, moi, je fais le tour de celui-là en attendant. Quand on a fini, on peut venir les observer. Ah, mais non, on vole pas. Attends. Normalement, après le 10, il faut faire le tour. Comme ça, on fait le. Oui, d'arriver. Le tour. Il y a pas mal de mecs qui a oublié alors. Voilà. Perfecto. Bah non, tu fais le circuit, et puis après, tu fais 2 fois le tour. Et là, parce qu'il y a un mannequin après le 10. Mais c'est ce qu'on a fait. Elle est à côté. Non, mais celui qui est passé devant moi. Ah, il est là. Je sais pas qui est quand même cool, les sorties. Parce qu'on l'a tous fait. Non, pas tous. Là, c'est marrant, parce que là, c'était 3 chevilles démoniaques. On l'a fait, on a fait tous les. Ah oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore au pilier? Oui. Il y a 2 personnes. Oui. Après, il faut aller. Je suis l'étage, je peux faire. Par contre, tu pouvais sauter. Ça servait à quoi ce qu'on trouve? On est au ralenti avec Ness, tu sais. Oui, on y va pas trop vite parce que bon. Il en restait un peu quand même. Ah bah en fait, on est nous trois. Courez. Une fois qu'on a fait les coffres dans l'eau, c'est on remonte. On remonte en haut. Jusqu'en haut. Et ça sert à quoi ce qu'il y avait dans le coffre du coup? C'est juste pour vérifier que vous avez bien été cherché. D'accord. Dans l'eau. Ah. Oh, ouais,
Ah, on suit les torches. Pour remonter au début. Je reviens, je voulais. Ah, ouais, non, mais j'en suis pas encore à ce stade. Solo. Hein. Je crois que j'ai crashé. Ah, merde. Ah, oui. Ah, non, ça y est. On va retrouver ce plan. C'est quoi déjà mon code ? C'est quoi déjà le parcours ? Il faut tourner autour des mannequins. Alors, une fois que tu as fait les sauts d'obstacles, les mannequins, il y a 3 mannequins, il faut faire 2 tours autour de chaque mannequin. Ça ok. Dans l'ordre que je veux ou un ordre spécifique ? Oui, l'ordre que tu veux, c'est juste que comme tu finis ici, d'habitude tu fais celui-là d'abord après. Jay s'appelle Snowy Sandwich. Oui. Pardon. Ça marche comment les coffres? En gros, tu regardes le code. Une fois que tu as trouvé le coffre, il y a le nom de mon cheval. Ah oui, il faut trouver le poney, d'accord, faut que je trouve mon poney sur le coffre. Je me sens tout seul à la ligne d'arrivée. Non mais en fait, il n'y a que des chevals Fallen et des ailes. Moi, je suis en tenue de plongée avec un Pégase divin. Et du coup, quatrième. Il y a qui déjà arrivé? Ah non, je voulais pas. Non, mais le Firigano. Par ici. La forêt aux arbres roses. Le Firigano, s'ils ont touché. Espèce de jaloux, quoi. Non, mais on le sait. Dis qu'Océane a triché et puis donc tu l'as disqualifié. Et elle... Ouais, comme ça on est content après. Mais ils sont mauvais. T'as vu comment ils sont mauvais. Badilouche. Comme ça, on a... moi j'arrive troisième. Comme ça, je suis troisième. C'est les disqualifiés. Et on remonte à les trois, poney, les trois premiers sont arrivés. Donc on se remet au poney et puis tu remontes à la montagne. Je suis premier. Ouais. T'es premier après qui? Après Galou qui m'a. Allez, je suis presque. Oh, le mien, il a les sabots bleus. Ah, mais oui, elle a mis les sabots de la couleur des coffres. Voilà. Voilà. Oh putain, il y en a déjà pas mal d'arrivées. C'est ça. Bon, ah, elle est où l'arrivée? La montagne de la forêt aux arbres de cerise. À droite. Oh, bah. Et c'est où la sortie après du jumping là? Il est où le cerf? À l'entrée. C'est la même que l'entrée. C'est bon. Pourquoi j'ai un bruit de dégâts? Vous allez vers l'eau. Il y a un boss qui me suit. Ah, il y a quoi qui te suit? Bon, j'ai pris l'aggro. Je me disais, il y a une usine de boss. Il y a un mégalodon dans l'eau. Un gros. Tu peux le tuer avec le poney. Bah, du coup, je suis à mon sac de couchage, Red. Ah. Bon, oh bah, je suis arrivé 7ème. Voilà, il est mouillé. Voilà. Et donc là, il faut aller récupérer un coffre, c'est ça? J'ai réussi. J'arrive. Et l'objet qu'il y avait dans le coffre, ça. C'est juste pour vérifier que vous avez été cherché dans le coffre. Comment il se la pète? Ouais, on devrait tuer celui qui est le plus haut. Non, mais c'est lui qui est troisième. Pourquoi c'est toujours moi, hein? C'est qui est troisième? Pourquoi? T'es le fier. Qu'est-ce que j'ai fait? Il est trop facile. Tu vas mourir aussi parce que t'as triché. Il y a trois tricheurs alors. Non, mais on l'a. Ça a traîné par terre, on l'a boosté, c'est ça? Ouais. Non, mais de toute manière, ça c'est parce que j'ai eu le coffre sien. Il y avait. Le poney était facile à reconnaître. Il s'appelait Ruby, donc c'était un poney rouge. Et en plus, le coffre c'était le premier quand tu rentrais dans l'eau. Bravo. Ah, donc ça s'appelle de la triche. Non, c'est le coffre sien. C'est pas ma faute si le coffre sien c'est toujours le meilleur. Moi, le sien c'est toujours le meilleur. Donc, ça y est, c'est bon. Oui, on va commencer par le troisième prix. Oui. Le droit de rejouer et de mourir. Le fier. Yes. Bien là. C'est mon poney. Ramasse. Voilà, c'est bon. Oui, ah. Fais F, ce sera plus facile. Ouais. Merci. Ouais. Il a eu son potion d'XP grande et il a eu des roquettes Kairoku. On a transmis notre passion, Yuki.
Ah, le chevet aussi. Ah oui. Il y avait une récompense aussi. Du coup, pour la deuxième place, désolé Yuki, mais bon voilà. Tu vas te les retaper. Tu sais déjà ce que c'est, tu l'as vu l'autre jour. On adore. Des giganos verts ? Non. C'est un couple de Tropeognathus. Et puis un Spino Omega. Et il y a aussi de l'essence et puis des grenades pour le Tropeognathus. Le deuxième. Non, le deuxième, il est pas là. Il est en train de grandir à la maison. C'est un wifi. Voilà. Puis du coup, Ganos, bah, tu as déjà le prix. Parce que tu me l'as prêté, mais bon, voilà. Oh, merde. Bah oui, du coup, voilà. Tiens. Et puis, maintenant, je vous demanderai d'attendre ici. Et puis, Dini, je vais te demander un TP. Oui, où ? Non, j'ai là où vous êtes. Je vais juste aller faire quelque chose. Vas-y. Réussi à le faire. Je me prépare. Moi, je fais marche arrière. Mais c'est quoi vos pingouins Oui, c'est ce que je vois. Red, le tropéo machin ? Non, pas le tropéo, le rocket. Ah. Ah, tu peux nous tirer dessus, Yugi, ça veut dire ? Non, là, il n'y a pas la bonne... Ah, le fire. Quand tu sortiras tes roquettes pingouins, tu montes dessus et tu fais un clic droit. Alors fais pas ça avec le match, parce qu'il y a une couille dans le pâté. Mais non, pas du tout. Mais pourquoi vous vous asseyez sur ce pingouin? Vous vous asseyez sur ce pauvre pingouin. Ah bah il y a quelqu'un qui est mort. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai entendu. Bah, bravo. J'ai entendu mourir donc. Mais il y avait quelqu'un sur un pingouin puis tout a disparu. Ah bah c'est Lucien qui est mort. Lucien. Bravo. Mais le pingouin. Mais c'est dangereux vos machins. Ah mais de base nous ça nous a jamais tués. Hein. Ça fait un peu normal. Vous avez une armure protège. Ah mère. Oui c'est vrai. Des bons souvenirs. Oh non. Tu me dis quand c'est bon, Reda. Fallait pas m'écouter aussi le Fire. Pourquoi tu m'as écouté? Alors du coup c'était qui le dernier? Il y avait une couille dans le pâté. Moi de base je me suis jamais mort. Le dernier c'est Midi. C'est moi la dernière. T'amènes ton cadeau. Vas-y Dini. Oh non. Ça va être Oh non, le petit cadeau. Oh merde. Oh, t'as réussi à le tomber. Ah oui, j'ai réussi. J'ai galéré, mais j'ai réussi. Il n'y a pas besoin de le nourrir, alors? Oui, il y a besoin de le nourrir, mais il faut le forcer. D'accord. Il faut le forcer. Ça m'étonnerait qu'il soit souvent sorti. Oh. Hein. Et il se met pas en cryo, donc t'es dans le... Il se met pas en cryo et je peux pas l'abandonner. Voilà. Est-ce qu'on peut le récupérer avec... Mais non, même pas. Tu veux pas l'abandonner? Non, je peux pas là. Bah. Amènerai chez toi et puis. On va le laisser découcher toi. Pour lui fouler les dents. Oh, merde, STP. Bah, on le nourrira pas. Hein. Est-ce que tu peux me TP? Ah non, pourquoi tu peux pas le tuer. Ah si. Ouais, c'est un qui passera. De l'autre côté, je suis mort. Il lui est arrivé un petit problème de pingouin. Il est mouru, le monsieur. Bon, je voulais savoir ce que ça fait. Moi, je pensais que j'allais partir en roquette avec le grappin. Heureusement que j'ai gardé les grappins. Moi, vous faites ce que vous voulez si vous voulez venir le nourrir, mais je me connecte pas tous les jours juste pour le nourrir. Non, mais si je peux pas l'abandonner, il faudra que je le... Pour ma défense, je savais pas que ça tuait. Parce que moi, j'avais une armure, je le voyais juste faire des feux d'artifice dans le ciel. Et puis pour les autres, ceux qui ont été ni dans les trois premiers, ni derniers. Ni la dernière, du coup. J'ai le prix de consolation. Non, c'est bon, je veux rien, moi. Bah, j'ai mon Pégase, c'est bien, déjà. Hein, allez. Non, mais t'es bien méchant, voyons. C'est les trucs que je t'ai amenés? Oui. Non, moi, je veux pas. Oh. Bah, c'était pour jeter. C'est des chimies. Moi, ça va pas vous tuer, les chimies. Ouais, bah... Le... Alors, un chimie dodo pour Mister. Ah bah oui, un chimie dodo pour Mister. Non, non, moi je suis parti, c'est bon. Non, mais trop tard. Attends. Mais. Comment t'as réussi à Red. Mettre un générateur sur le. T'as jeté le sac de ton truc, mais il y avait plein de shields dedans. Oui, je sais. C'est ce que Dini m'a donné pour l'event, c'est pas grave. Ok. Je savais même pas que ça allait rester sur le dos du truc. Bon, qui veut des chibis? Jette. Ouais, je veux. Ah, bah, je veux bien, voilà. Bah, je vais les jeter en bas. Moi, je veux bien.
D'accord. C'est vrai, ça comment t'as su mettre le générateur et le bouclier? Ah bah je l'ai posé, c'est tout. Mais c'est juste parce que c'est autorisé, c'est tout. Ah, ok. Ah, je l'ai pas, lui. Oh, mais elle est où, la dame? Là. Ah, par contre, on peut pas se poser, je glisse. Ah non. Ah, lui, je l'ai pas. Je voulais choisir celui que vous voulez. Ouais. Bon, bah, moi, j'y vais, en fait. C'est moi, pas mal, truc. N'oublie pas ton... Tout le monde repart avec son Pégase. Moi, moi je... Oh, mais je vois pas de quoi vous parlez. Oh la la... Allez, Red, tu nous ramènes. Ok. Allez, allez montez, on va en balade. On va chez Nini. Mais il est pas assez gros, pose-toi dessus, toi. Ah, attends, bouge pas avant qu'on soit tous posés parce que sinon on glisse. Mais non, mais voilà. Un petit poney comme ça avec la manucure voilà. Science, c'est magnifique. D'où le test de couleur sur ton Pégase. C'était pour voir qui, quelle couleur allait sur quel dino. Oui, je suis petite Anna. Mais je suis contente de faire une émission. On en a pour une heure, hein, je vous le dis. On a ah ouais mis... Bon bah je rentre moi alors. Entre les plaines et puis là où je l'ai caché, on a eu besoin d'une demi-heure. Ah bah... Je préfère rentrer alors. Hein. Ça ira plus vite. Mais tu vas nous le mettre où? Ah bah à côté de chez nous. Poney, hein, Red aussi qui est en haut. Oui mais à côté de chez nous, c'est à côté de chez nous, mais tu vas pas le mettre devant la base. Ah bah si. Je récupère ça. Bah c'est pour le dernier, alors c'est un malus. Non, heureusement, j'ai pas fait un prix pour le dernier parce que. C'est un cadeau empoisonné. Et après Red, elle est pas gentille alors que t'as été première à mon event. Et les enfants. Mais moi, j'ai fait rien. Mais. Tu peux prendre vos sacs de couchage. Mais Blasco, qu'est-ce que tu fais avec ce truc? Mon sac de couchage. Je crois que j'allais détruire tout le truc. Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Mais lâche-le, le pauvre! Faut qu'on essaye un truc. Oh là là, pauvre bête! Ah, et le saut d'obstacle. Elle a tout tué! Oh, en marche arrière. Je viens d'essayer, ça fonctionne. Je viens d'essayer. C'est chaud, mais ça fonctionne. Ah, donc il y a 9 dans le retard en arrière là. Non, mais voilà, comme toi, tu as. Fais attention parce que sinon je risque de. Parce que je prépare aussi quelque chose, je risque de défavoriser Mister Sticotte. Oh, je m'en fous. Au pire, tu demandes à Dini de TP. Ouais, je sais. Mais... Allez, bonne balade. Y'a un mais dans l'histoire, là. Pourquoi tu veux y aller à pied? Ah. C'est pas aussi marrant. Time flies, close your eyes. Imagine you could see everybody else's dream. What a comfort.